Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Reina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième match du tour numéro 1 du tournoi Connais-tu vraiment Pokémon? Aujourd'hui, je suis en compagnie de Shanna et Anaïs. Bonjour à tous. Je rappelle pour les personnes qui regardent la vidéo que Shanna et Anaïs n'ont vu que le premier match, celui de Kewan et Maeva. Donc, elles ne connaissent pas les questions. Alors, c'est parti pour la première question à 1 point. Rhinophéros est un Pokémon de type... Oui. Vent. Combat. Ah, combat. Non, pas combat. C'est un double type. À toi, Anaïs. Oui. Roche et sol. Oui, bien joué, c'est ça. GG. Merci. Un point pour toi. Alors, deuxième question à un point. Que symbolisent Palkia et Dialga? Anaïs. Oui. Laisse passer le temps. Oui, bien joué. Tu t'es entraîné? Non, je connais juste bien la quatrième génération. Non, bah bravo, c'est ça. Et dernière question à un point. Dans quelle région les jeux Pokémon Ruby et Saphir se déroulent-ils? Anaïs. Oui. Ah ouais. Bien joué, c'est ça également. GG. T'es déter, hein. Mais là, c'était... Ouais, c'était les questions à un point, ça allait. On passe aux questions à deux points. De quelle génération vient le Pokémon Girafarig? Anaïs? Oui. Je suis pas sûre, mais la deuxième? Oui, c'est ça, bien joué. Elle est trop forte. Bien joué. J'ai dit au pif. Un sans faute, pour le moment. Quel starter a-t-on dans les jeux Pokémon X et Y? Tana? Oui. Volcanion? C'est pas un starter? Oui, maman. C'est le truc duo-pack. Non. C'est quand tu commences le jeu, tu sais, il te propose entre 3 Pokémon, t'as le choix. Et ben, lesquels c'est ces 3 Pokémon? Du coup, à toi, Anaïs. Il me semble que c'est Fennec. Oui. Marisson. Ouais. Et comment il s'appelle? Grenousse. Oui, c'est ça. Bien joué. Maintenant je le sais pas, je le savais, mais... Tu t'es embrouillé. Allez, dernière question à 2 points. De quelle couleur est le chapeau de Créelf? J'ai appelé ça un chapeau, c'est... Anaïs? Oui. C'est jaune? Oui, bien joué, c'est ça. GG. Sur le même mauvais, ce Pokémon-là. Je connaissais même pas pour vous dire. C'est... La quatrième génération, c'est des espèces de petits lutins. Ouais, voilà. Les trois lutins, les trois fées. Perso, j'arrive pas à les différencier, mais bon, bien joué. Allez, on va passer aux questions à 3 points, donc il y en aura 4, donc ça va être possible pour Shanna de remonter si tu les réussis toutes les 4. Quels sont les Pokémon qu'on peut trouver dans la grotte Origine? C'est normal que ce soit plus dur, c'est une question sur 3 points. C'est dans la région de Hoenn. Donc c'est dans les jeux Pokémon Rosa et Ruby et Saphir. Ce sont deux Pokémon légendaires complémentaires, on va dire. Oui. Il y a Mécroton. Oui, c'est ça. Bien joué. Je me suis basé sur les légendaires de Owen. Bien joué. Allez, il nous reste 3 questions à 3 points. Et du coup, bah, Shanna, tu pourras pas remonter. C'est triste, mais c'est pas grave. De quelle couleur est Marill lorsqu'il est chromatique? Donc, quand il est shiny. Shanna? Oui, vas-y. Rose. Rose? Non. C'est pas ça. Bien essayé. Du coup, c'est à toi, Anaïs. Vert. Oui, c'est ça. Bien joué. En fait, elle gagne. Je l'ai dit au pif, je savais même pas. Tu vois, tu l'as. Tu dis au pif, c'est ta bourse. Bien joué. Pour l'instant, un sans faute pour Anaïs. On va voir si ça continue. Il nous reste 2 questions. La Hyper Ball accorde, lors de la capture d'un Pokémon, un bonus de... Donc, j'attends un chiffre. Anaïs? Oui. C'est pas 1,5? Non, presque. Shanna? Oui. 10? Non, c'est beaucoup ça, 10. Ouais. Anaïs? Oui. 2? Oui, c'est ça, bien joué. 1,5, c'était la Super Bowl. Ok. J'ai cru que c'était la 1,2. Et il nous reste une dernière question. Shanna, c'est ta dernière chance d'essayer d'avoir des points.
À quel niveau Lixi évolue-t-il en Luxio? Bachelor. Oui. 10. Plus. Anaïs. Oui. J'aurais dit 16. Moins. Sana. Oui. 14. Plus. Non. Anaïs. Allez, vas-y, je vais Shana. Bah, vas-y, Shana, alors. 15. Oui, bien joué. 15. Ah, merci, Anaïs, c'est super sympa. De rien. Alors bravo à toutes les deux, c'est donc Anaïs qui a gagné avec un score de 18 à 3, donc on la retrouvera dans la prochaine manche. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à aller voir une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.